J'ai connu Léonard, il m'a proposé un plan pour se faire un peu d'argent. J'ai dit oui, on est parti à l'autre bout de Paris. C'est certain, c'est pas malin de dire oui à ce crétin. Nous voilà donc sur place, pas pour sucer des glaces. Au beau milieu d'un cimetière, à déterrer une rombière, le boulot était crado, on lui voyait déjà les os. Quand il lui pique ses perles, je vois s'envoler un merle, un coup de tatane dans le dos, Léonard t'es qu'un salaud. Une grande respiration, direction la nation. Me v'là dans un autre bar, rien en vue, pas de Léonard. J'en profite pour faire une pause, c'est là que j'ai rencontré Rose. 2 mètres de haut, la dame, en jupe avec des rébanes. Il a suffi d'un clin d'œil pour que je la suive à Montreuil. On se roule déjà des pelles dans le taxi Opel. Elle m'a sorti des alcools, des trucs qui sentaient le formol. On s'en est mis plein la panse, ça me dégoûte rien quand j'y pense. Elle s'est écroulée par terre, comme un sac de pommes de terre. Juste le temps de faire les tiroirs, j'avais disparu dans le noir. Je descends la rue de Paris, derrière moi les ennuis. Le temps qu'il me reste, 1 minute et rien de plus pour attraper l'omnibus. Mais soudain voilà le hic, sous la forme d'une poignée de flics qui envoyaient mes papiers, on sait qu'ils allaient se marrer. Dans les ratiches, ils sont fortiches. L'affaire n'était pas complexe, ils trouvent sur moi une Rolex. Et d'un certain point de vue, ça mérite une garde à vue. Commissariat du 11e est un endroit où on m'aime. J'y ai quelques habitudes, comme la cellule attitude. Je sais où dormir, y'a vraiment pire. L'inspecteur qui m'interroge a un gros chat dans la gorge. Je dévisage un peu sa lippe, c'était mon copain Philippe. On n'avait pas fait l'armée, mais on avait rigolé. C'était le moment de s'en souvenir pour pouvoir m'éviter le pire. Voilà qu'il tire les stores, là j'avais vraiment tort. En souvenir du bon vieux temps, je m'en suis pris plein les dents. Et puis je ne sais pas pourquoi, il a glissé tout son poids pour écraser la cafetière avec sa gueule de vipère. J'en ai profité mes frères pour me tirer par derrière. Coup de pied dans un pigeon. Hep, taxi, à l'Odéon. D'armes grandioses, je me voyais devant l'âtre. J'ai choisi un beau théâtre, celui qui s'appelle l'Europe. On y jouait le misanthrope, je leur ai filé tous mes ronds. Je me suis blotti au balcon. Montez à moi, beau verre. Tiens, je boirais bien un verre. Direction le bar du théâtre, il y avait là quelques bellâtres. Tout en parlant de culture, je me prends une de ces bitures. Me v'là debout sur une table, alors réciter des fables. Mais quand t'es pas sur une scène, ça crée tout de suite une gêne. Le service d'ordre, ça fait des ordres. Me voilà au petit matin, sur le boulevard Saint-Germain. Toujours pas cassé ma pipe, planté devant la brasserie Lip. Le cadavre d'un clébard, écrasé par un chauffard. Au beau milieu de la rue, ses aboiements se sont tus. C'en est fini pour lui, fera plus jamais pipi. Dans la boutique d'en face, des télédiffuses en masse, des images de l'océan, survolées de goélands. La pluie qui se met à tomber, à ruisseler sur les télés. Quelques gosses dessinent des tags quand soudain surgit une vague. La vague, dans le vague.